Patrice Lafont est décédé le 7 août 2024, à l'âge de 84 ans. Selon France Bleu, l'animateur a été victime d'un infarctus dans sa maison d'Opède, dans le Luberon. Avant sa mort, le père de trois enfants, Fabrice, Mathilde et la comédienne Axel Lafont, avaient déjà partagé ses réflexions sur la fin de sa vie. En janvier 2022, lors d'une interview avec Télé Loisirs, Patrice Lafont avait abordé le sujet de la mort. L'animateur, qui aurait eu 85 ans le 21 août prochain, avait exprimé ses pensées sur son départ. Bien qu'il ait affirmé ne pas craindre la mort, il avait des préoccupations concernant l'avenir de ses proches. « Ce qui m'inquiète, c'est de ne pas savoir ce que deviendront ma femme, mes enfants, mon entourage. Savoir si Mathilde aura un enfant, comment Fabrice réussira, comment Axel gérera sa transition entre la comédie et la réalisation. Toute la vie quotidienne de ma famille proche, avait-il confié. Il avait ajouté, si je savais que, depuis mon nuage, je pouvais suivre tout cela, je ne craindrais pas de partir demain. J'ai 82 ans, j'ai vécu tout ce que j'ai pu vivre. Une dernière confidence qui montre à quel point il était impliqué dans la vie de ses proches. En 2019, dans le magazine Aujourd'hui Madame, Patrice Lafont avait déjà parlé de la fin de sa carrière télévisuelle, commencée en 1970. Il avait dit s'être bien amusé et avoir gagné pas mal d'argent, qu'il avait dépensé depuis. Le premier animateur de Fort Boyard avait aussi mentionné une opportunité en 2017, qu'il avait refusée. « Il y a 2 ans, on m'a proposé Danse avec les stars. Je ne me serais pas vu dedans, je me serais trouvé ridicule », avait-il affirmé.